En ce moment, une exposition exceptionnelle retrace à Paris la construction du canal de Suez. Un aperçu de cette épopée grandiose des pharaons à nos jours, c'est avec Valérie Gagé et Guillaume Michel. On sait que les pharaons ont construit les pyramides, un peu moins qu'ils ont creusé l'ancêtre du canal de Suez. C'était il y a 4000 ans, sous le règne du pharaon Sésostris III. Ce canal antique au nord du Caire sera détruit au 8e siècle par le calife Al-Mansour. L'idée de relier Méditerranée et Mer Rouge ressurgit au 15e siècle chez les Vénitiens. Mais il faudra attendre Ferdinand de Lesseps en 1854 pour qu'elle devienne réalité. Ce Français, diplomate et entrepreneur, réussit à convaincre le vice-roi d'Égypte, Saïd Pacha. Son arrière-arrière-petit-fils n'en est pas peu fier. Une petite phrase de Jules Verne qui dit qu'il avait le génie de la volonté. Il œuvrait surtout pour un bien-être de l'humanité. Il cherchait vraiment cette communion entre les hommes, cette communion entre l'Orient et l'Occident. Les travaux vont durer 10 ans. En plein désert, des dizaines de milliers d'Égyptiens sont réquisitionnés pour creuser. Chaleur et malaria font des ravages. Il y a trop de victimes et donc du coup on invente la technique. Et donc c'est grâce à cette situation humaine catastrophique que la technique va se développer et va permettre d'accélérer même la construction du canal. On crée des machines innovantes pour terrasser et dégager les remblais. Voici par exemple une drague raboteuse qui servait au transport des déblais. Avant le canal, il fallait contourner l'Afrique pour arriver en Inde. Avec lui, Bombay n'est plus qu'à 11 600 km de Londres. On gagne 8 200 km, soit près de la moitié du temps de parcours. Long de 162 km, le canal est inauguré avec faste en 1869. Napoléon III envoie son épouse Eugénie pour le représenter. À bord du navire impérial, l'impératrice ouvre une flottille d'une centaine de bateaux. L'exposition nous apprend qu'ils ont failli croiser la Statue de la Liberté. Le sculpteur Bartholdi avait imaginé cette paysanne portant une torche pour orner l'entrée du canal. Mais le vice-roi d'Égypte n'a pas donné suite et c'est à New York qu'il a recyclé son projet. Sa liberté a gardé un parfum d'Orient.